6 juin 2010 à 6 juin 2023, cela fait 13 ans que le monde célèbre la Journée internationale de la langue russe qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance du poète et écrivain russe Alexandre Pouchkine. À cette occasion, le Centre culturel russe en hommage au père de la littérature moderne et poète russe, a déposé un bouquet de fleurs à la stèle érigée en mémoire de cet auteur. Chaque année, on fête l'anniversaire de Alexandre Sergeïevitch Pouchkine. Pouchkine, c'est un grand poète et écrivain russe et il symbolise la langue russe, parce que c'est lui qui a développé beaucoup de choses dans cette langue. C'est partout dans le monde que nous avons les monuments de Pouchkine. Et nous avons une bonne tradition de la maison russe. Et pour ceux qui apprennent la langue russe, de se retrouver en face de ce mémorial et on dépose les fleurs pour honorer ce grand homme. Les apprenants de la langue russe qui s'inspirent des œuvres écrites par Alexandre Pouchkine ont déclamé quelques textes poétiques. J'aimerais déclamer un petit poème intitulé « Я помню чудное мгновение » qui signifie « Je me souviens d'un instant merveilleux ». Всем здрасте, меня зовут Адуна, я студент. Сейчас я хочу вам прочитать стихотворение Пушкина, которое называется «Поэм Пушкина, который называется «Красавица». Красавица, все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. À cette occasion, la directrice du Centre culturel russe a annoncé la finale du concours de slam le 10 juin, axée sur les œuvres d'Alexandre Pouchkine.